je vous retrouve aujourd'hui avec une vidéo de unboxing de trois produits que j'ai choisis sur le site Diamond Art Décor. Donc je tiens à les remercier de m'avoir envoyé ces trois produits. Là, il y a une espèce de support sous forme d'oiseau. J'ai vraiment hâte de le voir et je vais définitivement essayer de le terminer pour vous le montrer dans cette vidéo. On a des porte-clés et des autocollants. Donc on va commencer avec celui-là. C'est la première fiche que j'ai sous les yeux. Et ouais, j'ai vraiment hâte de le découvrir parce que mon Dieu, l'image que j'ai récupérée du site est vraiment magnifique. Et ce produit est au prix de 8,67€ ou 12,84€. Ok, donc il y avait ça à l'intérieur, je suppose, pour protéger un petit peu. On va voir comment est le produit, s'il n'est pas abîmé. Mais regardez, je vais vous montrer ça. Regardez comme il est magnifique. J'adore tous les diamants spéciaux qu'il y a là-dedans, là, et dans ses ailes. Je me suis dit qu'il va être superbe une fois fait. Et là, vous voyez, je pense qu'il va reposer sur ça. Donc, alors, comment ça se présente? Mais oui, je vais définitivement le faire en premier. Donc, l'oiseau, il est là, vous voyez. On le voit à l'envers. On a le support, les diamants, le tourquet. Donc, j'ouvre ça pour séparer le tout. Ok, alors, les diamants, ils sont en sachet refermable. Là, on a le support. On a le tourquet et l'oiseau. Oh, waouh! Mon Dieu, regardez comme c'est magnifique, ça. Ah oui, quand je l'ai vu, je me suis dit, oulala, il est tellement beau, j'ai vraiment envie de le faire. On a un tourquet qui est bon, un tourquet de base avec cire, plateau et stylet. J'ai toute une pile de, ces tourquets-là qu'il va falloir que je trie. Et les diamants, comme j'ai dit, en sachet refermable. Donc, en fait, le principe est simple. Vous voyez, là, ça ressort un petit peu. Juste là, là. Et ça, vous allez le mettre là-dedans une fois que c'est fini. Bon, je ne vais pas trop forcer, mais vous voyez le principe. Voilà. Et ça repose comme ça. Et ça repose comme ça. Donc, c'est du plexi, je pense. C'est rigide. Vous voyez, ça, c'est rigide. Ça, c'est rigide aussi. On ne fait que le recto. C'est pas recto verso. Je vais vous donner la taille parce que, comme j'ai dit, il n'est pas petit. Regardez par rapport à ma main. Vous voyez, c'est pas si petit que ça. Donc, au niveau de la hauteur... Attendez, je vais vous dire ça. Au niveau de la hauteur, si je prends au niveau de sa tête et de la base, je vous dirais que c'est à peu près du 20 cm. Je vais noter ça sur ma feuille. 20 de haut. Et au niveau de la largeur, je vais prendre du bec à peu près là. Vous voyez, je prends comme ici, là, avec mon stylo, je fais comme ça. C'est à peu près du 20 par 20. Donc, c'est pas petit comme projet, mais j'ai vraiment hâte de le faire. Je vais le commencer aujourd'hui. C'est pour ça que je filme la vidéo aujourd'hui. Je me suis dit, j'ai vraiment, vraiment, vraiment envie de faire mes 20 minutes sur ce projet. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner une fois terminé. Je vais vous montrer la qualité des symboles. Donc, on dirait que c'est un mélange de chiffres et de lettres. Donc vous voyez là par exemple on a le E, le F, le 9, le 4, donc c'est ça que je vous dis, c'est vraiment un mélange de chiffres et de lettres. Les symboles sont bien imprimés. Et j'ai l'impression que c'est bien coupé aussi, vous voyez là, c'est pas trop proche des symboles. Là on est dans ses pattes. Ouais, les symboles sont beaux. Les symboles sont nickel et comme d'hab, ben, ils mettent cette fiche plastique que vous enlevez. Vous voyez, la fiche plastique qui est juste là. Et ça, normalement, ça devrait être autocollant. Oui, c'est bien autocollant. Je crois que le tout est autocollant. Je ne sais pas si, par exemple, la base est autocollante. Attendez, je vais enlever le plastique qui est là. Pas facile parce que je garde mes ongles très courts. Oui, vous voyez, même ça, c'est autocollant. Tout ça, là où il n'y a rien. Donc, il va falloir que je l'encolle une fois que ça sera terminé. On va l'encoller dans un vlog, comme d'hab. Là, on a la base. Et au niveau des diamants. Donc, ce qui est cool, c'est que c'est déjà un sachet refermable. Moi, j'adore ça. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15... 16, 17, 18, 19. Oh oh, j'ai compté trop vite. Vous savez quoi? Je vais le refaire. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 types de diamants différents là-dedans.
Donc ça c'est pas mal. Alors de tout ça, qu'est-ce qu'on a? On a du strass. Vous savez quoi? Je vais juste mettre ça ici. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'on a comme type de diamant dans ce projet. Donc je vais mettre tout le strass ensemble. Là. Là, c'est encore du strass, strass, strass et strass. Je ne sais même pas qu'est-ce que vous voyez là. Ouais, je pourrais en mettre ici, par exemple. Et j'ai l'impression que ça, ce sont des diamants spéciaux. Ouais, et vous voyez les symboles, ils les mettent là. Ça, par exemple, c'est le H. Voilà. Donc, on a 2, 4, 6, 7 diamants spéciaux. Et le reste, c'est du strass. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 spéciaux. Est-ce que le compte est bon? Oui, le compte est bon. Donc, 21 types de diamants différents, 7 strass, 14 spéciaux. Je vais commencer avec les spéciaux. Donc, on a ces gros strass bleus, ces gros strass transparents AB. Là, c'est encore plus grand que ce que je viens de vous montrer, vous voyez. Même type, mais juste plus grand. Et est-ce que ça, c'est encore la même chose? Non, ça, c'est un petit peu différent. C'est transparent, mais non AB. Pardon. Et ensuite, on a du strass bleu dans trois tailles différentes, vous voyez. Du grand, du moyen, du petit. Celui-là, il est AB, en revanche. Les deux autres ne sont pas AB. Et au niveau de la couleur des strass qu'on a dans ce projet, je vais remettre ça là-dedans. Donc, on a... Je vais vous les montrer deux à deux. Là, on dirait que ce sont des violets qui sont très, 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 très pâles, tous les deux. Ça, on dirait presque du transparent, mais non, vous savez quoi? Ça, on dirait du rose très pâle et ça, du violet très pâle. C'est très subtil. Ensuite, en bleu, donc j'ai ces deux bleus. Ensuite, on a ces deux-là. Et ces deux-là. Ça, c'est un bleu très foncé. Voilà. Il y a Luna qui tourne en rond derrière. Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle fait. On a du rouge et de l'orange. Ben, quoi que ça paraît plus orange à la caméra, mais moi, à l'œil nu, je le vois plus rouge. Et qu'est-ce qu'il reste? Alors là, il reste des couleurs très pâles. Donc ça, c'est quoi? Ça, on dirait un gris très pâle. Ça, on dirait un beige très pâle. Et ça, on dirait du transparent, en revanche, quand je le compare avec ça, par exemple. Et pour terminer, on a... Un marron, orangé, je ne sais pas trop comment décrire ça. Donc voilà, plein de couleurs différentes. Comme je vous l'ai dit, je vais essayer de le terminer pour vous le montrer ben, dans cette vidéo terminée. J'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte. Comme j'ai dit, je vais le commencer aujourd'hui. Un projet de cette grandeur-là, je pense que ça va me prendre peut-être à peu près 1 heure à faire. Donc je le ferai certainement sur 3 jours, je pense. Ouais, je pense que 3 jours, ça serait fait. Parce que bon, vous savez, hein, je consacre 20 minutes par jour sur les projets à diamants spéciaux. Donc ouais, je pense qu'en 3 jours, il devrait être terminé. Donc je vais mettre ça de côté et on va passer aux autres projets. Donc je vous montre le produit terminé. Il est trop beau. Moi, je pensais qu'on allait avoir des gros diamants en fait, là et là. Mais non, c'est du strass. Mais en revanche, on a tous les autres diamants qui sont vraiment concentrés sur cette partie-là, vous voyez. Et ouais, il est vraiment joli terminé. J'ai beaucoup aimé le faire. Je n'ai pas eu de problème. En revanche, là, je vois que mon doigt, il colle. Vous voyez, tout ça, là, c'est autocollant. Ben, autocollant, ça colle. Ça colle aussi. Donc, dans le vlog de la semaine prochaine, on va l'encoller. Comme ça, j'ai rien qui va se coller. Mais vous voyez, là, le fini de colle, on le voit très bien. Et ouais, il est très joli. Et comme je dis, j'ai beaucoup aimé le faire. Donc voilà. Et au niveau des restes... Je vais vous montrer ça. Donc, on a pas mal de diamants dans ce projet. Donc, voilà un strass, un autre strass, ça aussi. Là, là, là. Je crois qu'il y a des sacs qui sont vides, hein, mais c'est pour les diamants spéciaux. Là, celui-là, il en reste 4. Là, on a encore du strass, vous voyez, dans ces sacs-là, même celui-là. Je sors les sacs avec le strass. Voilà, ça c'est du strass. Vous voyez, il en reste là aussi. Mais alors, en revanche, alors attendez, voilà. Là, j'ai ce sac, le N, il en reste 2. Mais alors, le L, le H, le O et le M,
je n'ai pas de reste. Donc ils ont donné, ils ont donné le montant de diamants qui était nécessaire à poser. Voilà, j'ai pas un diamant supplémentaire. Heureusement qu'ils étaient tous bien taillés. Mais ouais, c'est quand même quelque chose que je voulais mentionner. Mais ouais, il est vraiment beau. Je suis vraiment contente d'avoir pu le faire pour vous le montrer terminé dans cette vidéo. Et voilà, donc maintenant je vais vous rediriger vers la vidéo originale. Donc la prochaine fiche que j'ai, ce sont les autocollants qui sont au prix de 2,57 € ou 3,81 $. Au niveau du packaging, ben, on a les autocollants là, les diamants et le toolkit. Alors les diamants, ce sont des diamants en acrylique généralement. Le toolkit, c'est un toolkit de base. Il va se rajouter aux autres. Cet après-midi, je vais avoir du boulot. Donc, des autocollants. Regardez comme c'est bien coloré. On a des licornes, on a un arc-en-ciel, on a des cupcakes, de la glace, on a un petit peu de tout. Un donut. Ils sont vraiment mignons. J'aimais beaucoup la palette de couleurs là-dedans, en fait. Et on en a combien au total? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sur ce côté-là. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 autocollants à faire. Et la façon dont vous les enlevez, c'est tout simple. Donc déjà là, vous avez la fiche plastique en fait pour protéger la colle. Et vous voyez, c'est prédécoupé juste là. Vous voyez comme ça. Voilà. Ça, c'est autocollant à l'arrière. Mais moi, ce que je vous conseille de faire, moi, j'adore faire ça, en fait, c'est d'enlever la fiche plastique au fur et à mesure que vous travaillez dessus. Mais n'enlevez pas les autocollants. Ben, vous allez me dire, vous pourriez enlever les autocollants, les mettre sur le support que vous voulez et ensuite les diamanter. Moi, je préfère d'abord les faire sur ce support-là et ensuite les enlever et les coller là où j'ai envie de les coller. Donc au niveau des symboles, qu'est-ce qu'on a? On a des chiffres, hein, j'ai l'impression. Et c'est bien imprimé. Alors ça, c'est le 1. Ça, c'est un 1. Juste là. Ouais, c'est bien imprimé. Là, je veux dire, j'ai rien à dire. De temps en temps, on peut avoir des symboles flous sur ce genre de projet. Mais là, j'ai l'impression que c'est bien net. De partout où je regarde. On va regarder les couleurs. Je vais vous dire combien on en a. Alors, elles sont là. Ce sont des couleurs pastel, je dirais. Donc, on a tout ça. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 couleurs différentes dans ce projet. Je vais vous démontrer. Donc, on a du rose pâle, du noir, un autre rose, de l'orange, du vert, un rose pâle. Qui est un petit peu plus pâle que celui-là, vous voyez. Ouais. Du bleu, un autre rose et du jaune. J'adore ces couleurs. C'est vraiment trop beau. Ouais. Alors, combien ils avaient mis de sacs, là? Je crois qu'on peut en mettre que deux. Mais ouais, j'ai plusieurs autocollants maintenant dans ma collection. Et ouais, j'aime bien ça. Ça fait... j'ai fait quoi? Je crois que j'ai fait deux planches à date. J'ai complété deux planches et j'en ai peut-être trois ou quatre que je n'ai pas encore fait. Donc voilà ce produit terminé, j'ai adoré le faire, j'ai adoré les couleurs. Bien que bon, ce sont des diamants qui sont en acrylique, c'était vraiment sympa. Vous savez que j'aime les couleurs colorées, donc ouais, c'était nickel. Je sais pas si ça brille, hein. Je sais pas si on va avoir une brillance en vidéo, je ne pense pas. Mais franchement, c'était juste sympa à faire, comme j'ai dit, de belles couleurs, des diamants de bonne qualité. Et d'ailleurs, je pense, ouais, j'ai oublié de mettre un diamant là, au niveau du numéro 7. Je vais le rajouter après, cette vidéo. Mais ouais, trop bien. Franchement, c'est un truc que je recommande si vous aimez les autocollants. Et j'ai eu des restes de partout. Regardez ça. Là, ça c'est le noir, le rose, le vert, un autre rose, un rose et un orange. Donc ouais, au niveau des quantités, c'était nickel. Et oui, d'ailleurs, alors attendez, c'est quoi que je vous ai dit? C'est le 7, je vais le mettre là, je vais le rajouter tout de suite avant d'oublier. Et je ne sais pas qu'est-ce que je vais faire avec ce produit, ça se pourrait que je le garde en fait, hein. Mais ouais, je crois que je vais choisir des autocollants. Je pense que je vais choisir plus d'autocollants en fait chez les partenaires, parce que c'est vraiment bien à faire, surtout si on a des diamants de bonne qualité comme ceux-là et de jolies couleurs. Franchement,
C'est trop bien. Donc voilà, maintenant que je vous ai montré ça, je vais vous rediriger vers la vidéo originale. Et le dernier produit que je voulais vous montrer, donc je vais juste mettre ça de côté, je vais le mettre ici, ce sont des porte-clés qui sont magnifiques. Je ne sais pas si ce sont des abeilles ou quoi, mais ils sont trop beaux. Donc on a les porte-clés ici, le toolkit avec les petites chaînes et les fermoirs. Et les diamants, ils sont là. Donc j'ouvre le tout pour vous montrer tout ça. Ok, alors ça colle, hein, ça. Je crois qu'ils ont un petit peu mal mis le film plastique. Et du coup, il y a des parties qui collent. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je devrais en avoir 6 d'après l'image que j'ai imprimée du site. Ils sont trop beaux. Je vais vous montrer l'image que j'ai récupérée sur le site. Regardez, avec les diamants spéciaux, ça devrait donner ça. C'est ça que je vous dis, c'est vraiment très très beau. Ce sont comme des insectes, comme je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que c'est, mais c'est très beau. On a les diamants qui sont là, donc on va voir, on dirait des strass et des diamants spéciaux. Et oui, vous voyez, parce que dans le centre de chacun, là, il y a par exemple un N, un gros diamant, le L, le M. Donc ouais, on va avoir des gros diamants dans le centre, en fait. Et au niveau du toolkit, donc c'est un toolkit de base, mais je vais vous dire si vous avez ben, tout ce qu'il faut en fait au niveau des fermoirs. Je me demande si je ne vous avais pas présenté un projet pour lequel ben, il manquait un fermoir ou une chaînette. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc j'ai assez de fermoirs. Ça c'est bon. Et 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Oui, j'en ai assez. Donc si vous commandez ce produit, ben, vous devriez en avoir assez. Les diamants, on va les regarder dans une petite seconde. Mais d'abord, je voulais vous montrer ça. Donc c'est recto verso, mais comme je vous ai dit, j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu mal placé la fiche parce qu'il y a des sections qui sont collantes malheureusement. Ouais. Il y a des sections qui sont collantes. Encore une fois, si j'ai le temps de terminer ça, je le ferai pour cette vidéo, mais il y en a pas mal quand même. Hein. Donc ça va prendre du temps. En plus, recto verso, je pense que déjà, ça va prendre 20 minutes pour faire... ben, peut-être 15 pour faire ça, plus un autre 15. Ça va être long. Ça va être long à faire ça. Donc, je sais pas. Je sais pas qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer fini dans cette vidéo. Mais je vous montre déjà les symboles. Est-ce que c'est cassé? Non. J'ai pas l'impression que c'est cassé. Je crois que c'est la fiche qui est mal placée. Je me demandais si le plexi était cassé. Donc, vous voyez, là, par exemple, on a le G en haut. Et là, je regarde comment ils ont coupé le plexi, en fait. Mais on dirait que ça va, c'est pas trop proche des diamants. Les symboles, ben, ils se lisent bien. Ils se lisent mieux de ce côté, je trouve, non? Que de ce côté. Ouais, on dirait que c'est un petit peu plus net. Ensuite, on va avoir celui-là. Je vais prendre la taille. Celui-là. Je regarde les symboles en même temps. Celui-là. Ouh, les couleurs vont être belles, je pense, dans les ailes. Je pense que ça va être bien coloré. Celui-là. Trop beau. Est-ce que c'est... Ouais, ça va. Je regardais sur le côté. Mais vous voyez, là, comme on a un espace entre l'image et la fin du plexi. Mais là, il n'y a pas vraiment d'espace. C'est pas trop proche du diamant, mais quand même. Et celui-là, voilà. Et au niveau de la taille d'un de ces petits porte-clés, je sais pas, je vais prendre peut-être la taille de celui-là. Alors, au niveau de la largeur, c'est à peu près du 8. Et au niveau de la hauteur, c'est à peu près du 7. Voilà, comme ça, ça vous donne une idée. Moi, je vais marquer 8 par 7. Je peux en mettre un dans ma pomme, voilà. Vous voyez, au niveau de la taille, voilà ce que ça donne. Et les diamants. Alors, on dirait qu'on en a plein. Donc, ils ont numéroté les sacs. Ça, on dirait que ce sont que des strass. Donc, on a le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et ensuite, ça embarque avec le A. Et, mon Dieu, mais combien de diamants on a dans ce projet? Là, on a le C, donc on n'a pas de B. C, D, E, F, G, H, K, L, M, N. O, P, R, S. Eh bien,
Eh bien, on en a des diamants. Donc, au total, on en a combien du coup? Donc là, on en a 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 types de diamants dans ce projet. C'est beaucoup ça quand même, hein, je trouve. Mais bon, je ne me plains pas. Et au niveau du strass, on en a 1, 2, 3... Ben, on a tout ça en fait, jusqu'au 9. On a le A aussi, donc 10. 11, 12, 13, 14, 15... 15. On a 15 strass. Et du coup, est-ce qu'on a 9 spéciaux? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oui, c'est ça. Donc 15 strass et 9 spéciaux pour un total de 24, comme je vous ai dit. On va commencer par cette petite ribambelle. Donc là, on a des diamants spéciaux. Alors vous voyez par exemple ces diamants... qui sont perlés, c'est infini perlé, le bleu AB. On a deux tailles différentes, il y a une taille dans ce sac là et une autre taille un petit peu plus grande là dedans. En plein milieu, on a une espèce de grosse trace rouge. À la fin, on a ce fini métallique que j'adore. J'adore poser ce genre de diamant sur des projets. Ensuite, on va continuer avec ça. Donc là, on a pas mal de strass, on a du rose pâle, du bleu, du beige, ça on dirait du gris. Et là, on a des diamants spéciaux, des gros diamants noirs. Là, du gros strass rouge. Je vais peut-être le tourner, non? Ouais, si je le tourne, ça va être mieux. Voilà, on a ça. Regardez tous ces gros diamants qu'on va mettre, très certainement. Juste là, vous voyez, à chaque fois. À chaque fois, il y en a. Et le dernier, la dernière ribambelle, on a pas mal de strass. Donc on a du transparent, du jaune pâle. On a plusieurs jaunes, vous voyez. Du vert, du bleu. Je pense que ça va être plus facile encore une fois comme ça. Un autre bleu plus foncé, de l'orange et du vert. Voilà. C'est vraiment beau la sélection de... Ben la... Oui, la sélection. La... Les différents diamants qu'on a dans ce projet. Voilà. Mais ouais, franchement, ça serait beaucoup de travail, je pense, pour vous montrer ça terminé. Ce que je risque de faire, en revanche, c'est ça. Je sais pas si j'aurai eu le temps de vous le montrer dans cette vidéo. On va voir. Voilà, voilà pour les projets que je voulais vous montrer dans cette vidéo. Donc, je vais laisser ça là, mettre peut-être ça comme ça. Je sais pas. Je sais pas comment je vais faire ça pour la photo. Et... celui-là qui est trop beau et que j'ai vraiment hâte de faire. Bon, voilà, on va faire ça comme ça. Parce que comme je vous dis, très souvent, moi je fais une vidéo pour la miniature sur YouTube. Je trouve que c'est une bonne manière de vous présenter rapidement d'après la miniature ce que je vais vous présenter en fait. Voilà. Voilà, voilà ce que je vous ai présenté aujourd'hui. Donc comme d'hab, ben, je vous mettrai les liens en barre d'infos si vous souhaitez aller acheter ces produits et aussi regarder si jamais il y a un petit code en fait que vous pouvez utiliser. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie beaucoup de l'avoir regardée et je vous dis à bientôt. Bye bye.